Bonjour. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler d'imprévus dans l'histoire. Et c'est une tâche un peu compliquée parce que, a priori, dans l'histoire, il n'y a pas vraiment d'imprévus. Il peut y avoir de l'imprévu dans le futur, de l'imprévu qui se prépare, il va bientôt y avoir un imprévu. Il peut y avoir de l'imprévu au présent. Voilà. Très bon exemple de la part de ce carton qui n'était pas prévu. Hop, boum, ce n'était pas prévu, un imprévu. Mais il ne peut pas vraiment y avoir d'imprévu dans le passé. Dans le passé, c'est terminé puisque l'histoire est passée. Elle a dépassé la ligne du temps. Il ne peut plus y avoir d'imprévu. Et pourtant, alors d'abord, mettons-nous d'accord sur ce que c'est l'histoire. Alors l'histoire, mettons-nous à la place d'un historien ou d'une historienne. Bon, on rentre de notre pause déjeuner, alors on s'assoit à notre bureau. Et alors, qu'est-ce qu'on a au présent comme matière à utiliser? Eh bien, on n'a rien, en fait. On n'a rien. En fait, l'histoire, c'est rien. C'est-à-dire qu'au présent, l'histoire, c'est du vide. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de matière. Avant que quelqu'un prenne la parole pour raconter un événement, ou qu'on ouvre un livre où on lit la description d'un événement ou d'un personnage, ou bien qu'on découvre un objet, qu'un archéologue découvre un objet et alors commence à l'interpréter, avant qu'on ne voie une statue, par exemple, on voit une statue, un hommage à un événement ou à un personnage, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a rien. Prenons l'exemple de la statue parce que c'est un objet, et a priori un objet, on ne se dit pas qu'il peut y avoir de l'imprévu qui arrive à travers un objet. A priori, une statue, bon, elle ne peut pas vraiment provoquer d'imprévu, étant donné que c'est en fait un bloc scellé, boulonné, qui a été martelé ou coulé par des gens qui certainement se sont renseignés sur ce qu'ils voulaient dire à travers cette statue. C'est quand même suffisamment massif pour être sûr et vérifié. Et pourtant, prenons donc la statue et on va prendre un personnage statufié en particulier pour que ça soit plus concret. Je vous propose qu'on prenne un personnage assez loin de nous pour éviter de nous disputer. On va prendre Jean-Nicolet. Personne ne connaît, j'imagine, trop Jean-Nicolet. C'est un personnage qui est assez connu dans le Wisconsin, aux États-Unis. Donc voilà la statue de Jean-Nicolet. Alors, il a un petit air de D'Artagnan, il est avec une grande toche comme ça, et il est posé à côté d'une autoroute, l'autoroute A57, à côté de Green Bay, dans le Wisconsin. Alors si vous roulez, si vous allez vers Green Bay, vous tournez la tête sur la droite, il y a un petit panneau qui indique Jean-Nicolet, et alors vous regardez et vous allez voir sa statue. Il est là. Dans le Wisconsin, il y a plein de choses qui s'appellent Nicolet. Il y a une forêt qui s'appelle Nicolet, il y a des écoles qui s'appellent Nicolet, il y a des routes, des places, une usine à papier qui s'appelle Nicolet, il y a même des petites bouteilles d'eau avec marqué Nicolet dessus. C'est vraiment le personnage du coin, quoi. C'est le premier Européen qui a découvert la région. Les gens dans le Wisconsin se racontent que Jean-Nicolet, c'est un petit peu le père fondateur de cet endroit, en tout cas depuis qu'ils sont là, depuis que les Européens sont là. Les étudiants, quand ils réussissent un examen, ils se déguisent parfois en Nicolet. C'est-à-dire que, en fait, pour se déguiser en Nicolet, il faut se mettre une toge chinoise et des pétards ou des pistolets remplis de poudre. Ah oui, il faut que je vous explique. En fait, Jean-Nicolet est très connu pour avoir découvert les Amérindiens de cette région, mais habillé en chinois. En fait, à l'époque, on s'imaginait qu'après les Grands Lacs, il fallait marcher 3 semaines et on arrivait potentiellement en Chine. On sait qu'il y a encore tout l'Est des États-Unis à parcourir, plus tout le Pacifique, mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Donc Jean-Nicolet part en exploration et il prend dans ses bagages de quoi être un bon hôte, c'est-à-dire montrer qu'il est au courant des traditions. Donc il prend une veste chinoise, comme ceci, et des feux d'artifice pour avoir l'air sympa.
Évidemment, la situation a été embarrassante pour tout le monde, puisque les Amérindiens ont vu débarquer quelqu'un qui était persuadé de rencontrer des Chinois. Bon, il a allumé ses pétards et il s'est présenté comme ça aux gens avec sa toge chinoise. Donc, le moment était un peu gênant pour tout le monde. On imagine les Amérindiens un peu embarrassés. Et c'était un peu un imprévu au présent de Jean-Nicolas. Il y a eu un petit imprévu. Ah, vous n'êtes pas chinois? Mais bon, comme il avait les pétards, il a allumé. Ça a fait quand même un petit moment. Voilà. Bon, maintenant, Jean-Nicolas est transformé en statue. Il n'y a plus de raison qui le provoque d'imprévu. C'est un objet, donc il ne parle pas, il ne peut pas se déplacer, donc il ne peut plus faire de bourde d'une certaine manière. Il ne peut plus provoquer d'imprévu Jean-Nicolas, puisque les objets ne parlent pas. Enfin, ne parlent pas. Les objets parlent, en fait. Ils ne parlent pas avec leur bouche, puisqu'ils n'ont pas de bouche, mais ils parlent quand même. Ils ont une forme d'éloquence, c'est-à-dire que l'objet ne dit pas mille choses, mais il dit une chose avec énormément d'évidence. C'est-à-dire qu'il n'a pas de bouche. Ça, par exemple, ce feu d'artifice, il n'a pas de bouche, mais il exprime une situation. Il y a une situation à venir. D'ailleurs, un humain n'oserait jamais parler avec autant d'évidence qu'un objet parle avec évidence. Bon, là, la situation est évidente. Et d'ailleurs, si on approche un autre objet à côté de lui, un briquet, bon, voilà, là, la situation est éloquente. C'est-à-dire que la situation parle d'elle-même, les objets s'expriment. Et si on continue la situation, bon, on voit très bien où est-ce que nous emmènent les objets. C'est-à-dire que là, les choses sont évidentes. Les objets s'expriment, en fait, sont en train de raconter une situation à venir. Et c'est précisément là que se trouve l'imprévu. Autant cette fusée aurait dû décoller, autant cette statue de Jean-Nicolas n'aurait jamais dû exister. Et d'ailleurs, rien dans le Wisconsin aurait dû s'appeler Nicolet. Je vous explique pourquoi. En fait, les gens du Wisconsin basent l'histoire de Jean-Nicolas sur un récit d'un historien qui s'appelle John Gilmarie Shee. En 1852, cet historien qui habite à New York et qui est élève des jésuites reprend l'histoire de Jean-Nicolas en se basant sur un document qui s'appelle « Une relation » écrit par le père Lejeune. Le père Lejeune a écrit cette relation où il communique avec d'autres jésuites sur le parcours de Jean-Nicolas. Donc Jean-Nicolas, interprète, est allé à la rencontre d'Amérindiens au-delà du lac Huron. Il écrit que Jean-Nicolas a rencontré des Winnebago. À l'époque, le jeune sait qu'il y a une tribu nommée les Winnebago, c'est une tribu qui fait partie des Sioux et qui se trouve à l'est du lac Michigan, à côté de Green Bay. John Gilmarie Shee en déduit que c'est là que Nicolas a découvert les Winnebago. John Gilmarie Shee se base sur ce récit et raconte l'histoire de Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, arrivé à 20 ans à Québec, ayant passé du temps avec les Hurons, pour apprendre la langue algonquine, passant du temps aussi au niveau du lac Nipissing. Interprète, il aurait été envoyé par Champlain, le fondateur de Québec, vers une tribu inconnue qui se trouvait après les Grands Lacs. Sauf que, en 1946, un historien nommé Wilson s'aperçoit qu'il y a des incohérences. Plus tard, en 1966, un autre historien du Wisconsin, Dever, note une incohérence flagrante. Il se trouve que Jean-Nicolas, quand il a débarqué avec ses habits chinois et ses pistolets remplis d'artifices, a été nommé par la tribu l'homme merveilleux. Ils l'ont nommé Manitou Irignou. Or, Manitou Irignou, c'est de l'algonquin, ce n'est pas du Sioux. Les Winnebago dont parle le jeune, c'est une tribu Sioux de Winnebago. Dans les années 80, un autre historien, Trudel, un Québécois qui oriente ses recherches dans le sens de la déconstruction du mythe de l'homme blanc sympathique qui va coloniser l'Amérique, s'aperçoit qu'il y a d'autres incohérences. Reprenant le texte de Lejeune, il s'aperçoit que la trajectoire qu'a pris Jean-Nicolas était en fait une trajectoire qui allait vers le nord, au-dessus du lac supérieur. Il note aussi que se trouve un lac au-dessus du lac supérieur qui s'appelle le lac Winnebago, et qu'à côté de ce lac se trouve une tribu qui s'appelle les Winnebago. Il paraît de plus en plus évident que le jeune s'est trompé. Il a confondu des Winnebago
avec des Winnipegos. Il y a donc de fortes chances pour que Jean Nicolet n'ait jamais été à Green Bay et que cette statue n'ait pas du tout lieu d'être, que les écoles n'aient pas à s'appeler Jean Nicolet, que les routes non plus, que l'usine à papier non plus, et que sur la bouteille d'eau, il n'y ait pas non plus à inscrire Nicolet, puisque Jean Nicolet n'est jamais venu à Green Bay. Il faudrait donc tout dénommer, démonter la statue et potentiellement la faire voyager jusqu'au-dessus du lac supérieur. Sauf que tout le monde s'en fout. Les gens qui ont écrit les livres d'histoire à propos de Jean Nicolet ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait cette incohérence, mais les livres d'histoire n'ont pas changé, les manuels scolaires non plus. Et dans le Wisconsin, la question ne se pose pas vraiment. Jean Nicolet est une espèce de personnage qui est là et qui n'a pas vraiment à être interrogé, une sorte d'évidence d'une certaine manière. Avant que le point de vue ne change, qu'une communauté dans cette communauté affirme qu'il faut modifier cette erreur, les choses vont rester telles quelles. En fait, tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui est très intéressant avec l'histoire, c'est que, en fait, tout le monde s'en fout. Je veux dire, on s'en fout, ça n'existe pas, en plus, c'est pas là, c'est pas grave. Et en même temps, à mesure qu'on imagine, par exemple, démonter une statue, alors ça devient pour certains insupportable. C'est en fait une matière qui évolue avec le temps, en fonction des objets qui sont découverts, des textes qui sont analysés à nouveau, mais aussi du regard, de notre regard qui bouge, notre jugement sur les situations évolue avec le temps. Si bien que l'histoire tente de se rapprocher le plus possible de la vraisemblance, et la vraisemblance est par définition un objet parfaitement instable. L'histoire est donc une matière qui nous réserve, malgré tous les a priori, énormément d'imprévus.